Tout le monde, salut, bon dimanche matin. Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bon, on est de retour pour ce dimanche après un bon petit live de ce vendredi soir. C'était bien bien plaisant. J'ai le micro qui est trop long, j'ai le micro dans la tronche. Bonjour, ça va bien? J'espère que ça roule. On est en mode petit déjeuner. Là, je viens de finir mon petit déj. Je suis au café. Et ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui avec vous, premièrement, on n'a pas eu le temps de le faire vendredi, donc on va le faire aujourd'hui. J'ai reçu ce petit prospectus, de chez Lego. Et je voulais qu'on le feuillette un peu comme, vous savez, quand on était petit, on feuilletait ces magazines, voir ce qu'on allait commander à Noël. Il était envoyé au nom de madame. Et voilà, je voulais voir un peu ce qu'ils annonçaient, sachant que nous, le mois prochain, il est prévu normalement de faire du Lego également avec la petite Batmobile. Ce sera pas un gros live Lego, mais ça sera toujours du Lego non plus. Il faut que je fasse un petit peu gaffe niveau budget, on a des dépenses qui arrivent, et puis j'ai un peu claqué mon PEL, donc gaffe. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout roule chez vous. On va se faire un petit live pépouze ensemble. On va se faire écouter de la musique et je vous ai là. On passera peut-être sur du rétro après, on va voir. Je pense qu'aujourd'hui on va aller rendre visite au Girudo chez dans Tears of the Kingdom. Alors on va passer sur la vidéo. Ouais, hop, on est là, on va pousser la souris. Ce qu'on va faire, c'est que... Alors, attendez, on va centrer ça, vas-y, pousse-toi de là, toi. On est pas mal centré, on va zoomer un poil sur la caméra. Ouais, comme d'habitude, il faut que je regarde quelle est l'IP de ma webcam, parce qu'elle change à chaque fois. Ça y est, pas mieux. Non, c'est pas ça. Ok. Et on va zoomer. Pas trop mal dans zoom. Est-ce que je peux pousser encore un peu? Et on est pas trop mal là. Pas mal. On a tout ce qu'il nous faut, on a le café. Ma patoune velue. Non, vous voyez, ouais, c'est le catalogue d'octobre 2023. Donc ouais, c'est... On va cacher ce qu'il y a mon adresse, mais on a reçu ça. Avec un peu de pub au dos pour la baraque d'Ocus Pocus, qui est franchement assez jolie, hein. elle est très très jolie ce petit truc, hein. c'est pas dégueu. Bon, je pense qu'elle est quand même à 300 dollars. Je sais pas, en France ici on a Lego, on a la livraison qui est gratos, mais en même temps pour 300 balles faut pas déconner, heureusement. Mais 300 dollars, je pense que ça pourrait faire plaisir en cadeau de Noël pour madame. C'est plus chouette. On va passer dessus. Donc on va voir ce que Lego nous propose. Vous n'avez pas trop de reflets. Est-ce que si j'éteins la lumière, c'est mieux? Peut-être mieux sans la lumière, en fait. Peut-être mieux, il y aura moins de reflets, ouais. Poil plus sombre, mais au moins vous n'aurez pas de reflets. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce truc Fantastical Trials, ça c'est un truc je pense que ça nous intéresse pas, c'est un truc complètement... ouais, c'est une licence originale Lego. Ah, ils commencent avec leur licence originale. Et bah, c'est pas pour nous. Hey! Salut Calmandris, merci pour le raid. T'as déjà fini de jouer FF16?
Alors, j'ai pas eu le temps de le faire la dernière fois, on va te le faire maintenant. Merci pour le raid, copain. Vas-y, mets-moi un petit message que je te fasse un SO et une mise en avant. Yes. Tout va bien, j'espère. Hop, le petit shootout. Ok, j'espère que tout roule, hein. J'espère que c'est pas trop grave et que tout va bien. Se dire ça sur une musique de combat, c'est... J'espère que tout va bien. Ok. Ah oui, je comprends. Je comprends. Non mais tu vois, tu tombes pile poil, on commence tout juste à feuilleter le catalogue Lego que j'ai reçu, on n'avait pas eu le temps de se le faire vendredi. Mais je voulais qu'on voit en fait les nouveautés. Oh, d'ailleurs, tu tombes bien, je vais te faire claquer ton pognon en série. J'ai reçu un mail de Lego. Je sais pas si tu l'as eu. Attends, je te dirai si je retrouve un lien. C'est affreux ce qu'ils annoncent. C'est vraiment affreux. Ah, attends. T'as vu un poney passer ma fenêtre? Ouh, ça c'est la drogue. Ok, nickel. Ah, attendez, on va ouvrir. Non, pas ça. On va mettre ça là. Ah bah tu m'étonnes, mais alors là regarde, là tu vas te ruiner à fond. Alors hop, écran E3. Regarde ce qu'ils annoncent, c'est complètement dingue. Le coffre de Picsou en Lego. Avec l'intérieur et les pièces. Ça a été validé, tu vois, c'est l'interview des Dika, donc ça a été validé par le vote des Dika. Et franchement, c'est pas dégueu, quoi. Le bureau de Picsou avec le petit passage secret. Ça peut être... Ouais, alors j'imagine que les 300 pièces avec... Il y a Gripsou. Il y a la petite lampe du génie du film. Alors j'imagine que les 300 pièces à accumuler dans le coffre doivent être un peu relou. Là. Ça doit être un peu relou à faire. Mais c'est assez cool. Ok. Bon, on retourne à nos moutons. Mais j'ai trouvé ça assez chouette. Je ne m'y attendais pas. Est-ce que tu vois bien le catalogue? On va regarder ça un peu. Bon, pour l'instant, on s'en fout un peu parce qu'on est sur les licences Lego Dreams, comme ils appellent ça. Mais ah, ça doit être fun pour les petits. D'ailleurs, ce véhicule-là est complètement fou. Mais on est. Ah, en plus, c'est des trucs qui sont transformables. Ah, c'est assez chouette. On n'est pas là pour ça. Après, on passe sur les. Est-ce que ça marche, les friendship, l'essence friendship, parce que c'est pas shooker, hein. Pas ça dingue, hein. Alors, j'imagine que ça va être pour la clientèle type Polly Pocket ou quoi, mais tu sais, autant on continue à faire des Lego qui soient compatibles avec les autres,
avec des figurines, parce que là, bah, me... je suis pas le public après, donc je peux pas juger quoi, mais je pense que ce n'est point ma tasse de thé, donc on va zapper ça. Ok. Ouais, donc c'est... Alors, bien sûr, la maison de Laolo, qui est vraiment cool, ça, ça plaît à madame, ça. Mais c'est ça ce qu'elle voulait, là. Tu vois, c'est quand même à 60$, hein, ils font pas trop trop chier, mais... là, ces deux petits duos-là sont quand même vraiment vraiment cool. Donc vraiment cool, ça change un peu des briquettes, et c'est assez chouette. Ouais, c'est pour les petites filles, ouais, bien sûr. Mais je sais pas, moi, ma petite... Bon, je sais pas, hein, jour où jardinier, je te dirai ça, mais... J'irais peut-être plus lui acheter des Lego neutres, et puis après, elle s'éclatera avec, quoi. Elle en fera ce qu'elle veut. Ça, le principe, c'est que là, si c'est trop orienté, du coup, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'ils annoncent d'autre? Ouais, la navette, tout. Oh, par contre, ça, c'est complètement dingue. Ça, c'est complètement dingue. 100 balles, 600$. Donc, je pense que c'est les dollars canadiens qui sont notés là. Donc ça doit être autour de 400-450€. Donc, très, très beau, très, très beau produit. Bon, putain, ça faut avoir la place pour le ranger. Il te donne les dimensions. 80 cm de haut. Ça c'est... ça faut la place, ça. Ok, on passe... Ah, ils sortent le stade de Quidditch sur Harry Potter. Bon, le Hogwarts Express, on le connaît. Ah, Ninjago. Il a 400. Ah, il est pas beaucoup plus cher que ça, en fait. Il est moins cher au Canada, alors. Tu rajoutes 12% de... Ah, faudrait jouer si c'est des dollars canadiens ou des dollars US qui sont notés. Je pense que c'est des dollars canadiens. Tu veux lire ça? Alors, prendre le combat final entre Voldemort et Harry Potter, je trouve... Enfin, ça, je trouve pas ça extraordinaire, mais... Le truc de Quidditch, ouais, la limite, et encore, ouais, bon. Ouais, par contre, le bout de l'axe, il est cool. Là, pareil, ça, c'est chiant à ranger, ça, c'est tout en long et tout. Alors, donc ouais, les Ninjago, on s'en caille un peu. Ça c'est toujours chouette, là, j'ai le canon de glace du film qui se ressemble en méga tank, c'est plutôt cool. Bon, pareil, on n'est plus le public là. Ah, regarde, Dame du Titanic qui est sorti le sous-marin, ça c'est chouette. Et en plus, celui-là aussi peut se péter, peut s'imploser. Mais ces gammes-là sont toujours chouettes, j'aimais bien les Lego City quand j'étais petit et... Et c'est plutôt cool. Alors là, on est sur les Marvel. Mouais. Ouais, celui-là, limite, ce set-là peut être cool, mais je le trouve pas... Est-ce qu'il faudrait que la manette Logitech... La manette Logitech, n'empêche, elle a survécu. Elle. C'était pas une Sidewinder. Attends, on va fermer tout ça, parce que j'en ai plus besoin. Ok. Ouais, donc ça c'est pas... Ouh, par contre ça c'est... C'est un truc cool. 47 cm de diamètre. Ça, je trouve ça moche, moche à souhait. Mais ça c'est cool.
Ah, ben là voilà. Là voilà ce que je vais me faire péter. Ça sera pour le mois prochain. Donc la petite Batmobile à 60$ là sur. Oh, attends, ils sortent le petit Batwing aussi. Bon, par contre, le Batman là est moche. Mais ouais, ça c'est plutôt cool. Parce que la Batcave est clairement hors de mon budget, hein, qu'on se le dise. Je vais aller faire le plein de café. Je vais me laisser regarder cette belle image un instant. Je vais faire le plein de café. Je reviens dans une seconde. Pour 10 000 balles, ah ouais, bah tu peux te faire une. Tu voulais monter un garage, non? À côté de ta maison, tu peux le monter en Lego. Ah, tu vois, je me restreins parce que je pense que je vais rester sur des petits modèles comme ça sera très bien. Mais ouais, comme toi, je vais malencontreusement laisser cette page-là ouverte sur la table du salon. Ah, ça c'est les nouveaux sets Sonic. Ils sont... Bah, alors c'est des sets pour jouer, hein. Ok, y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'aucun n'est compatible avec le premier set. Parce que le premier set, bah, toi tu l'as monté, tu peux clipser dans le sens que tu veux pour mettre les trucs du stage. Et ça aurait été bien qu'ils continuent sur ce principe-là, mais j'ai l'impression qu'ils ont laissé tomber. Et là c'est vraiment, bon c'est bien, c'est pour un public plus jeune. Un genre de bunker, ce genre de... Mais oui, bah tu sais que moi le jour où j'achète une maison, je vais clairement me faire un passage secret. Il y aura l'entrée du bureau sera clairement dans la bibliothèque. Ouais, donc là ils sont clairement partis sur un public plus jeune avec vraiment des... Comment dire, des sets pour jouer, mais bon, je suis pas sûr de voir l'intérêt de jouer plutôt de lancer la Mega Drive quoi. Oui, tu dois pouvoir les créer, mais ça aurait été bien qu'il ait vu qu'elles sont intégrées déjà dans le set, ça aurait été bien de les mettre directement dans les sets là quoi. Bref. Minecraft, ok, excuse-moi. Ouf. J'ai eu le temps de couper le micro avant de vous tuer les oreilles. Ouf. Alors. Ah, c'est rigolo, tu apparais en tant que raider sur Twitch, c'est plutôt cool, comme ça tu sais d'où vient. Ils ont amélioré le chat sur Twitch, et c'est chouette. Bon, bref. Ah, par contre, le set Donkey Kong est plutôt cool, sur le Mario, là. Ah, le set Donkey Kong, ouais. Tu en as pris, toi, des Mario comme ça? Ouais bah ouais carrément. Bon écoute, il faut les prendre. Ah, une sortie Diddy Kong. Une sortie Diddy Kong, c'est trop cool. Sortie Yoshi. Un fond Diddy Kong aussi, c'est trop cool. Ouais, c'est trop cool.
Madame a le casque de Mando à monter là. Très très cool les casques d'ailleurs. C'est réaliste. Ah, le TIE Interceptor qui est quand même un de mes préférés. Ok. Ouais, ce genre de set, je les aime pas trop parce que j'ai l'impression qu'ils sont cool. On verra mercredi soir. Ouais, bah ouais. Bah, mercredi soir, je serai dans les parages. Je serai au boulot, donc je serai dans les parages. Ouais, ils font un peu vite quand tu les poses, donc quand même 200 balles. Toi, 200 balles pour ça, je suis pas chaud. Je suis pas chaud. Attends, ah mais c'est le mini, mais il est trop cool. L'exécuteur Super Star Destroyer, il est en mini, il est chouette. Ces sets-là de Star Wars sont quand même très 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 chouettes. C'est d'ailleurs celui-là plaît beaucoup à madame. Donc ça. Ok. Ah bah jusqu'à minuit, oui, ça fera 18h chez moi. Bon, je te le quitterai peut-être un peu avant la fin. En plus, mardi soir, ce qu'on va faire. Il y a les Guns N' Roses qui passent à Montréal. Sauf que c'est 200 balles le billet. Et autant, en 1992, j'aurais payé 200$ le billet pour aller voir les Guns. Autant aujourd'hui, pour aller voir Jean-Marie Le Pen avec une perruque blonde. Qui a plus de voix. Ouais, voilà, faut pas se foutre trop de la gueule du monde, donc sachant que c'est le prix que j'ai payé l'été dernier pour aller voir Def Leppard, Motley Crue, Joan Jett et Poison. Pour les quatre groupes ensemble, j'ai payé 200$, là j'ai pas payé 200 balles, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se foutre, il y a un parc juste à côté du stade, on va se mettre là, on va pique-niquer. Donc celui d'India Jones plaît beaucoup beaucoup madame. Alors ça c'est pas les tasks qu'on a fait hier, parce qu'on ne récupère que dans 6 semaines, mais ça c'est des tasks que madame a faites aussi en... Alors elle a juste fait la peinture sur céramique, mais je récupérerai dans 6 semaines les tasks qu'on a clés nous hier. C'était trop cool, c'était vraiment chouette. Alors. On continue. Ça c'est vraiment cool ça. Le Discovery là... le rover, ça c'est plutôt chouette ça. Après, par contre, ils ont plus trop de Lego technique un peu. Avec de l'électronique, ça c'est chouette. C'était bien quoi. Ils doivent les avoir, mais ils doivent pas trop en faire la pub. Bon, c'est bagnole de course. Voilà, ils ont montré, ils ont fait une. Salut Jonathan, comment ça va? Yo Jonathan! Mais passe à vitesse normale, histoire de pas te péter la gueule quand même. Donc là, tu vois, on est en train de... ouais, c'est ça, ça j'ai reçu, ça, quand même, 200$. Mais quand même, elle est très jolie, la Corvette... quoi, c'est une Firebird, je crois. Très jolie. Et on fait ce que... Oh, vague de Kusai. On fait ce que... Lego a décidé de m'envoyer. Apparemment, j'ai pas assez dépensé chez eux, donc ils m'envoient de la pub. Ça aurait été mieux une Challenger, mais je crois que... Non, ils l'ont pas faite, Challenger. Ils l'ont pas faite. La vague de Kusai est plutôt cool. Par contre, le Spider-Man, il est... extrêmement moche, non? Il est pas beau, le Spider-Man. Ah, il aime pas. Pas du tout. Ah, c'est ça, hein. C'est Speedsterman. Ah, le Van Gogh est vraiment cool. Le Palais de l'Empereur aussi est chouette. C'est beau, cette... Putain, ça tape 200 balles. Je crois que c'est... Je crois que c'est 20 centimes la pièce. Ouais, attends, 20 centimes la pièce. Si je fais 2125... Alors attends, on va sortir les calculettes.
L'initiative de la pièce? Donc si je fais 2125 divisé par 0. Alors, j'arrive pas à trouver sur le truc. Non, je suis con. Divisé par 0.10. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, à peu près, ouais. Peut-être un poil plus à d'autres 15 centimes la pièce, quelque chose comme ça, parce que là, je suis tombé à 2090. Ouais, ça va être un poil plus. Mais ok, voilà, on a fait le tour de ça. On va mettre ça de côté. On est rapido et on va passer sur la Switch. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer là-dessus en attendant que je branche tout. La Switch, elle est là. J'ai encore du Lego à monter, j'ai encore quelques briquettes à monter, faudra qu'on prenne le temps de le faire. Je trouve un deuxième socle, parce que j'ai un socle au niveau de la télé. Il faudrait que je trouve un truc un peu plus régulier pour mettre là. C'est soir, hein, parce qu'on n'a pas dépensé des sous en fond pour rien. On pourra acheter des Lego. Oui, j'ai des kiwis sur la. J'ai des kiwis, regarde, j'ai même Bob l'éponge sur ma chemise. J'ai Bob l'éponge et Patrick. 5 fruits et légumes par jour, oubliez pas. Beaucoup de drogue. C'est vrai, je me fais entendre que je porte plus ma chemise. Pourquoi t'es si court, toi? T'es si court, moi aussi? Non, c'est parce que t'es pas bon. T'es pas le bon, je l'ai mis. Ça! Moins chaud, c'est pas désagréable. Ok. Mais pourquoi Bob l'éponge? Parce que c'est un personnage que j'aime énormément, qui est complètement barré. Je trouve l'humour de la série Bob l'éponge est trop cool. Donc, elle serait. Tant que c'est pas les petits squelettes complètement creepy, moi ça m'irait complètement. Hein, produit laitier, ça va. Hein. C'est les squelettes qui font du breakdance là, c'était assez dérangeant. Mais les produits laitiers, les publicités beaucoup trop sexuelles pour ce qu'elles devaient être. Hop. T'as jamais kiffé? Ah moi j'ai toujours trouvé l'humour mais complètement barré. Il y a des blagues, et notamment je crois qu'il y a l'épisode de l'ours marin qui est très très drôle, et celui aussi doit aller au parc d'attractions qui est excellent. Alors l'objectif du jour dans Zelda, c'est d'aller chez les Gerudo, donc on est là. On va se rapprocher des Gerudo et on va aller
Allez, ben on va se faire le temple des éclairs. Chez Gerudo. Non, je trouve ça. Je trouve que c'est très adulte au niveau humour. Et avec beaucoup de. Beaucoup, beaucoup de. De messages cachés, entre guillemets. Et je m'identifie complètement à Bob l'éponge au bureau. Non pas en étant un bon travailleur, mais en étant complètement décalé par rapport à toutes ces personnes qui se considèrent comme adultes. On est au courant que tu vas faire le temple des éclairs. Et ouais, je. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Ça va la panique? Je vise trop bien. Peut-être, ouais. Peut-être que c'est pour ça que t'as pas aimé. Y'a pas un petit truc caché là? Non, y'a pas un petit truc. Oh, y'a un cœur. Attends, on récupère quelques faits. Oui, ben oui, je ressemble à une éponge. Mais je suis une éponge. Je suis une éponge sentimentale. Je suis une éponge au niveau des caractères. Peut-être te barre pas. Tu te barres pas parce que tu peux servir toi. Mais rapproche-toi du bord. Eh? Petit, 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 petit. Merci. Il y a un truc à faire sur ce petit lac en forme de cœur ou pas? Ce petit lac, cette petite mare. Avec le côté vert. Merde, du coup, ils sont barrés. Ça plus tard. On va monter là-haut, voir s'il n'y a pas un truc à récupérer. Il doit y avoir un cours au goût là-dessous. Non, j'ai arrêté les hérissons. Le seul amour de ma vie, c'est Sonic. Cette pub était excellente, n'empêche. Eh oui, il y a un cours au goût là-haut. C'est moi. Alors j'ai déjà chopé? Non. Ah. Ok. Je les avais pas vus. Alors. On disait donc au niveau de la carte. On a tout droit. En vrai, s'il n'y a pas des trucs que j'avais pas vu.
Un lac. Ah. Ah bah oui. Ah bah t'as pas vu 99 francs? Clairement, ils prenaient de la drogue, ils prennent de la drogue publicitaire. C'est l'antichambre du cinéma pour certains, donc ils peuvent se permettre certains trucs. Et je trouve qu'on a perdu ça aujourd'hui. Je trouve que dans les années 90, je vais faire mon vieux con, mais il y avait plus de. Hop. Mettre dans la gueule. Je te loupais carrément. Je vais mourir. Hop. Hop. Ah, attends. C'est pas une bombe, quelque chose. Une fleur de confusion. Bonne idée. Alors, fleur de confusion. Non, c'est pas par là. Ok, ben, bah, écoute, repose-toi bien, merci de passer. Et si t'as des questions, n'hésite pas à revenir si tu veux dire du caca. Oh, les fleurs de confusion, vous êtes où? Cachés où? C'est par là, non. Hop. Ça, c'est bien ça. Ah, ça, c'est bien ça en fait. Si tu veux dire du caca, j'ai dit. Comme d'hab. Hein. Merde. Ouh. Petite bombe dans le cul. Ah bien. Mais tombez pas les copains. Oh ben non, ils sont tombés. Je suis mort comme une merde. Je suis tellement morte comme une herbe. Alors, recommencer. Manger un peu quand même.
Ah putain, ils font mal. Ah. Tac, t'as eu. Hop. Hop. Ah, bon, allez, tu sais quoi, on va passer à un truc. Merci. On va leur foutre la paix. C'est bien, je bute des Lynel, mais je me fais dégommer par... Je me fais dégommer par des gobelins. Hop, le café. Moi, ce que... Attends. Essayer de se le faire. On va laisser faire le boulot tout seul. Non, attends. Ouais. Les bombes à tremblement sono, j'en ai normalement, ils ne me servent jamais à rien. Hop. Ouais, je vais faire des bons sonos, c'est ça, ouais. Allez. Hop. Allez, dans le cul. Allez, on recommence. Défoncer tes potes. Hop. Ton copain, toi aussi.
Allez. Je récupère tout ça. Ouais. Allez, occupez-vous entre vous. Allez, encore un. Allez, dégommez-vous entre vous. Attends, on va mettre une petite bombe. Une bombe qui fait plaisir. Oh non, et vous barrez pas. Attends. Oh, t'as les trucs, toi? Eh, bombe fusil, ça marche, ouais. Bon. Allez, on avance. On avance, on avance. Il y a de la banane. Ça veut dire qu'on trouve pas plus de... On trouve pas plus de Yiga ici. C'est bien ça. Vu qu'ils sont fans de bananes. On tourne ça. Ok. Foutez-moi la paix. Ça va s'emmerder par trois squelettes. Une escalade. Hop, le pantalon d'escalade. Et le pantalon d'escalade. Il est là. J'ai pas vraiment l'impression de grimper plus vite. Attendez, où sur la carte? On est à mi-chemin? Ouais. Ah, j'ai plus d'arc. Ok. Et de la banane. Et plus j'ai glissé. Ouais, ouais. C'est tout bouillé. Ah, c'est bon.
Qu'est-ce qu'on voit là-bas qui brille? Ok. Un griok. On va lui foutre la paix, hein. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il en a un ordre complètement random comme ça là. On va se téléporter un peu parce que sinon je vais pas réussir à monter. Attends, est-ce que les trucs vont pas vers la mer de Firon? Ah, passe, on va longer la côte. Oh putain. Ah, oh, putain. Oui. Ok, ils ont fait que passer. C'est rigolo ça, ça a apparu, disparu. Merde. Voilà. Salut. Ah bah c'est gentil, peu de manger, un peu de manger. Ouais, marteau, ok. C'est gentil. Pas grand chose dont j'ai besoin. Un campement de lézard. Donc là, on doit être au niveau de la mer de Firon. On s'en rapproche. Un petit champi. Passer de façon complètement random, nous avons des fusées. Écoute, on va s'en servir pour grimper, pour regrimper, hein. Je fasse un peu à bouffer aussi. Ah bah t'es... Ouais. Hop. Toujours bon à prendre. Ah. On
longer la côte. Ok, il y a des pirates par là. Ah, eh. Alors là, vous savez quelque chose un peu les... Voilà. Un peu les flèches que j'ai inutilement gaspillées. Et on va grimper encore un peu. On se rapproche. Qu'est-ce qu'il gaspille comme énergie? T'as beau avoir 14 cercles d'endurance. Exactement ce que je voulais pas faire. On se rapproche gentiment. On y arrive. Pas un truc sur ce caillou? Je sais pas pourquoi. Pas des plantes? Non, y'a rien. Ok, on commence à voir ce qui pourrait ressembler au désert Gerudo. Je me suis pas encore du tout occupé des fées également, j'aimerais bien toutes les débloquer. J'ai pas encore trouvé comment débloquer la quête des fées en fait. Un petit linel. Ah, je ne peux pas aller plus loin. Je suis au bout de la carte là. Je suis allé au bout du monde. Ok. Vas-y, ça arrache chez toi, toi.
Bon, bah écoute, on va monter, hein. Nous sommes au bout de la carte, là où le vent sort de la map. Ah, on a un labyrinthe là-haut. Tu les as fait un peu les labyrinthes, toi? Il y a des trucs cool à récupérer? Non, ok. Peut-être que tu tires les attaques demain, ok. On va passer là. Là, il y a une ruine. J'imagine que le village Gerudo, il est là. On va passer par le chemin. Ok, les clous. Eh merde. Ça va, la caméra, je te dérange pas trop, tu peux faire ton boulot s'il te plaît, merci. Ok. On s'en rapproche. En fait, le mieux, ça serait que je me téléporte là. Je voudrais quand même voir ce qu'il y a en haut de cette colline. Là, c'est certainement rien du tout. Là, il y a de la fumée. Oh, ma curiosité me perdra. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, mec, émission. Détritus, trop pas incroyable, ouais. Moi aussi, je vais tellement énervé que j'ai décidé de tout nettoyer, ok. Quand je voyage, mon mot d'ordre, c'est ne laisser aucune ordure derrière moi. Nature doit rester belle. Et donc, après mon passage, tout est propre. D'ailleurs, comme tu peux le voir, voyage, mon balai. Le problème, c'est que boule d'herbe. Ok. Bah si j'y fous le feu. Si j'y fous le feu, une boule d'herbe vive. Ok. Et hop, je fous le feu à tout. Hop, on va en prendre une qui crame pas.
Eh, y a plein de piments. Je crois que j'ai tout cramé. Hein. Une truffe, hein. Ah ben voilà. Donne-moi un balai, non? Donne-moi un balai. Quoi? Ah merde! Sacoche est pleine. Bah attends, on va dégager ça. Mais tu me donnes quoi en fait? C'est pas une épée. C'est peut-être un bouclier. Bouclier royal, ok, bon, écoute, on prend. Mission comme ça. Hein. Oh, le brouillard, on se croirait sur 64. Et hop, les grimpes. Les grimpes, Link. Nous, on peut se détendre en regardant. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi en live de ton côté? Enfin, ce soir, pardon, excuse-moi. Rien du tout? Ok. Bien aussi faire un break. Vous avez des trucs de prévu un peu avec madame? Sans forcément aller loin, il y a des petits trucs un peu sympas dans votre coin à faire. Ça va froid. Pas de programmation web. Tu as bossé sur ton site? C'est bien. Allez. Toujours content d'avoir des yeux. Maintenant, t'es content de te les frapper, les chauves-souris, en fait. Un truc sur ce caillou là, on a pas fait juste un caillou comme ça si. Tu t'en sors ça va, tu galères pas trop? Ah. Alors attends. Ouais. Il y a un dessin là, ok ouais mais... Ah ouais.
Qu'est-ce qu'il faut que je reproduise comme dessin là? Ça, je peux pas les bouger. C'est quoi, je le verrai plus tard. Je mettrai une petite. Ah ben voilà, c'est marqué sur la carte. Ok, tout simplement. Et voilà. C'est malin ça, il est mis sur la carte. Vas-y, qu'est-ce que moi ça me permet toujours de faire 2-3 Korogu au passage. Ah bah il y avait le dessin là. Je pense qu'il y en a un autre à faire. Ah non, il y en a un autre à faire là. Ah là, de Korogu. Alors, je suis où? On va se faire les. On va aller de pic en pic. Tu comptes te faire également un site pour le groupe Hyperion ou? Franchement, c'est plutôt logique. Ouais, merde. Peut chier à partir. C'est l'idée, ouais, ok. Après, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà toutes faites maintenant. Et Tony, salut toi, ok. Moi c'est Diblon, l'homme qui tient toujours bon. Dis donc, t'es arrivé jusqu'ici, c'est que tu dois avoir sacré une trempe toi. Il dirait de mettre une résistance à l'épreuve et conditions impériales. Non, on verra ça plus tard. Non, ok. Il y a un truc qui brille là-bas. Quel est ce truc qui brille? Ouais, c'est ça, ouais. On va débloquer ce sanctuaire. On va aller voir le truc qui brille en bas là. Je le ferai après celui-là.
Je vais voir le truc qui brille avant que ça disparaisse. Ah, c'est une étoile. Ça sera toujours bon à prendre. Ok, on va se téléporter, on va se remettre au sanctuaire qui est juste là. Ça va reprendre à la hauteur. C'est rigolo qu'il est resté comme ça en suspens. Bon, alors. D'abord, on a un gros grioc. Yeah. On s'en rapproche. Une particularité, je sais plus à quoi ça sert les fragments d'étoiles. J'ai pas le temps les gars. Ok, Jean-Michel Grioc qui est là-bas. Et on se dirige. Ok, là il y a une grosse abîme. Est-ce que je l'ai faite? Ouais, l'abîme dessous, je ferais que je la visite. Sur le chemin et Gerudo, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un peu la quête des Gerudo, puis on continuera vendredi prochain. Je m'emmerde à prendre de la hauteur comme ça. Ah, il file un coup de main, monsieur. Ils ont quand même fait des liens qui sont gaulés comme tout, comme un tonton quand même. Hein. Une grosse épée ça. Ah, il y avait un truc là avant à faire, ouais. Et le sable a dû monter. Enseveli par le sable. Ok, on a rien.
Parce que... Une oasis. Un sanctuaire par là aussi. Occupé. Ouais, on va se rapprocher. Pastèque. Un marchand. Putain, mais un puits là. J'ai toujours pas revu la femme, la dame du puits, hein. Oula, il y a plein de trucs à fouiller là. Voilà, gaspiller 2-3 bombes. Ah merde, plus de batterie. Alors. Allô? Tu charges pas toi? Merde. Si, c'est bon. Ça m'ouvre le passage. Oula, il va falloir creuser là. Alors, ta 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 ta. Et... Du sable qui tombe, ok. Ok, c'est tu peux tomber dedans, j'imagine, par un sable mouvant. Est-ce que je peux péter les cailloux avec ça? Non, je peux pas péter les cailloux avec ça. Ok.
Ouais. Attends, on va te péter un peu. Ok, voilà. Oula. Champignon Lumos, en veux-tu, en voilà. On va pas trop perdre de temps non plus là-dessus. Les cailloux, il y en a là-bas. Moi je perds mon temps sur des trucs à la con. Je peux pas m'en empêcher. J'ai pas vu toi. Fouillade. Eh, je vois le bout du tunnel. Ah, cool. Oula, non. Ok, cool. Bon allez. Salut papy, comment ça va? Comment tu vas? Salut. Oui, ça va, qu'est-ce que voyez ou pas? C'est bon, ça veut dire. Ok. Ok. La brume de sable. Il y a un truc à faire avec la brume de sable. Cycle en quantité limitée. Ok, c'est une coupe de cheveux. On verra ça plus tard. On va débloquer ça. À 11h40. On va essayer au moins d'aller jusqu'au... Oui, une tornade, c'est cool ça. Est-ce qu'il y a envie d'avoir une mission pour moi? C'est pas le nord. Si je fais ça... Ouais, par contre, attends, faudrait un peu de truc glagla.
Si je me mets comme ça. Non, j'ai trop chaud. Que je vais y arriver comme ça. Attends, je perds de la vie. Cool ça, attends. On va y arriver. Bah voilà, on y est arrivé. Easy là. Oula. Code de giblo, judo, ok. Ceinture là-haut. Et Gerudo, vous êtes où là? Il faut que j'aille au sous-sol au cas où ils sont planqués au sous-sol. On va d'abord débloquer le truc en haut. Débloquer lui. Il y a trois nouveaux sanctuaires à faire. Ok. Si tout va bien, Signia. Quoi? Un voy. Tu es venu te mettre à l'abri de la brume des sables. Derrière cette porte se trouve notre cité souterraine. Ok, je suis désolé, mais aucun void n'est admis. Je ne connais pas ce mot, ça veut dire homme. Désolé, mais la tradition est formelle. Ouais, mais je peux plus me déguiser en fille. Qu'y a-t-il, j'ai quelque chose. Oui, un void. T'inquiète pas, il est tellement petit qu'il peut pas atteindre l'orifice avec lequel nous communiquons. Personne ne le verra, on verra personne non plus. Tant mal, l'ensemble de la cité Gerudo est atteinte de Voy. Cependant, nous sommes en état d'urgence. Alors, tu te tiens éloigné de notre cité souterraine, je fermerai les yeux sur ta présence. Tu veux te mettre à l'abri de la brume des sables, tu peux utiliser une des maisons à la surface. Tu peux plus te... Oui, je peux mettre à poil, ouais. Ça va?
fait des yeux. Allez, je me mets tout nu. Comment je fous à poil? Comment je me mets tout nu? Sélectionner retour. Ok, il faut que je désélectionne. Hop, j'ai mis ma capuche. Alors, Guido, voix veilleur homme, ça, nana. Je vais vous expliquer le lien, ok, voy. Contact les voy à atteindre un certain âge. Alors dépêche-toi de sortir d'ici. Non, ça n'intéresse pas. Ma virilité n'intéresse pas. On va mettre un pantalon quand même. Attends, on faut attendre que la porte soit ouverte avant de se mettre nu. Ok. Attends, tac, 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 on va prendre une vraie arme quand même. Ça fait que dalle. Une vraie arme. Pas le feu. J'aime pas trop le feu. Un coup d'électricité. Bon, il y a l'autre qui est en haut, on va le voir. Salut. Hey. Attends, il y a une voix qui s'échappe du puits, j'ai même craint de bouger à l'ouest. Ah, il faut y aller dans les souterrains. Par là j'avais bien souterrain, non? Et là on a l'entrée. Et là à gauche. Alors. J'ai plus rien avec des cailloux. Si j'ai encore une épée avec des cailloux. Descends de là, descends de là, Link. Non.
Hey. Hop. Ok. J'ai ouvert un passage. Mais c'est un cul-de-sac. Zut. Un cul-de-sac aussi. Allez, shit. Bon. Retour à la case départ. Et par là. Tiens, donne-moi. Oui, toi. Ça y est, je t'ai trouvé. Toi qui lis cette lettre, tu es mon voy charmant, celui du destin mis sur ma route. Et qui je suis, ta vaille charmante? Eh bien, même très charmante. Dépêche-toi de me sauver du monde dont je suis prisonnière. Je vais t'écrire encore et encore, comme ça tu me trouveras plus. T'inquiète pas, on va bientôt se rencontrer. C'est notre destin. Quatre joies. Ok. Bah, j'imagine qu'il faut que je remonte la rivière. Ok, c'est la même. C'est la même. Donc on va suivre la lettre. Et... On va y mettre une fusée là. Il m'en reste. Non, ça va marcher. Ça n'a pas marché. Alors si j'arrive à... Aha! Oups. Non, bon. Faut tuer la porte? Non. Oh boy, va attendre ici tout de suite! Ah bon, ok, je suis passé derrière la porte. Attends! Oh là, pété de classe. Bétera. Ça faisait longtemps, chevalier d'Hyrule. Tout va bien. Ce boy a le droit d'entrer dans la cité par l'autorisation spéciale de notre chef. Il peut aussi se servir de toutes les installations. Former tout le monde. J'imagine que tu nous dis jusqu'ici, en bravant la brume des sables, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Il est tout mouillé. Je veux dire, la princesse d'Hyrule a disparu. Il nous avait rapporté l'incident du château, mais la situation est bien pire que je l'imaginais. Mais cela ne diminue rien à l'exploit que tu viens d'accomplir en traversant la brume des sables, Link.
Cette brume de sable s'est levée brusquement il y a quelque temps. Nous avons tenté d'envoyer une équipe pour la déterminer la cause, mais elle a été décimée par les Gibdos. Ils sont partout depuis la brume, est arrivée, même au sein de la cité Gerudo. C'est pourquoi nous avons dû migrer ici. Cette mission de protéger la cité, si tu savais, comme j'ai honte. J'aimerais t'aider à retrouver la princesse, mais la situation actuelle ne permet malheureusement pas, je regrette. Ryuju n'est pas ici, elle s'entraîne de son mieux pour pouvoir nous tirer de cette situation. Si tu recherches Ryuju, tu la trouveras du côté des ruines du Nord. Boy. Ouh, il est pas sympa, on dirait Vegeta. Ok. Ça c'est... Salut. Ok. Une petite mission. Ok. 1300 rubis anti-froid. Est-ce qu'il y a des tenues anti-chaud là? Anti-chaleur. 1400, j'ai pas bouffé tous mes rubis quand même. Je dois avoir assez pour faire un vœu. Bah en effet. On va prendre 2 cœurs en plus. Hein. Un cœur, une endurance. Ah, peut-être un cœur, une endurance. J'aurais bien passé la deuxième ligne quand même de cœur. Elle va jusqu'où cette ligne? Ouais, un peu d'endurance aussi. On va monter un peu de façon équilibrée. 20 cœurs par ligne. Ouf. Bon, faut que j'aille au nord. Non, on va... Attends. C'est une mission, on va te parler. Ça va, oui, ça va. Hop. C'est une bombe, ça. Ok, cherchez l'image. Ok, elles ont des canons, elles s'entraînent. Ça ronque. Ah, je peux passer pour la montée. On va remonter à la surface. Ok, maintenant j'ai froid.
Ok. Prendre un peu de hauteur. Un poil de hauteur, elle dit qu'elle était au nord, dans les ruines du nord. Ah bah facile. Ah, c'est rare les ruines du nord. Et salut! Ok. Son petit cinématique. Sont très très classe à Gerudo, comme j'ai toujours trouvé très. Depuis Ocarina of Time, j'ai toujours trouvé très très classe. Ça vise pas très bien. À côté. Si je ne m'améliore pas, je ne pourrai pas protéger mon peuple. Link? Aïe! Une flèche. Une épée dans les fesses. Surprise. Tu es toujours là où on ne t'attend pas. Chef des Gerudo, Riju. Cela dit, j'avoue que tu n'aurais pas pu mieux tomber. Oh. Le château d'Hyrule s'est levé dans les airs et la princesse a disparu. Et tu es venu dans cet espoir de découvrir ce qui est arrivé, j'imagine. Je compatis très sincèrement, Link. J'ai beaucoup d'amitié pour la princesse, moi aussi, et je t'aiderai de mon mieux. Mais d'abord, il faut résoudre plus vite le problème des Gerudo. On dit Gerudo ou Gerudo du coup? Hein? On dit Gerudo ou Gerudo? Cela n'a pas dû être facile d'arriver jusqu'ici. Bon, ça va. Cette brume de sable s'est répandue sur la région au moment même où le château d'Hyrule a été levé dans les airs. En un instant, elle s'était infiltrée partout dans la cité. Apportant avec des nuées de monstres étranges, des. Gypdos, comme nous les appelons. Ils se déplacent lentement, mais ils sont peu sensibles aux attaques physiques. Nous les avons appris à nos dépens. Nous l'avons appris à nos dépens. Est-ce que tu m'as vu m'entraîner? Ouais, c'est pas mal. Mon but est de réussir à frapper le mannequin avec ma foudre. Coup de foudre, quoi. Je pense qu'elle pourrait être efficace contre les Gypdos. Mais hélas, il me reste des progrès à faire pour maîtriser cette technique. Je ne vise pas encore aussi bien qu'il faudrait. Je dois pourtant y parvenir au plus vite si nous voulons être en mesure de faire face au Gildos. Bip Gildos, hein, du coup. Il faut à tout prix découvrir l'origine de la brume des sables. Ensuite, je te prêterai ma forte pour retrouver Zelda. En attendant, tu veux bien m'aider à m'entraîner? Oui, si tu veux. Essaye de tirer une flèche sur le mannequin à te servir à canaliser ma foudre. J'ai pas d'arc. Tiens, ma foudre est drôlement efficace, on continue, tu veux bien? Essaye de toucher les trois mannequins et nous verrons. Ok. Ça, plutôt que les cibles individuellement, il vaut mieux. Viser au centre des trois mannequins. Ok. Mais juste une chose pour la cible et prisonnier. J'ai besoin de temps pour préparer la foudre. N'oublie pas. Ok.
Ça marche, non? Ouais. Oui, c'est bon. J'ai réussi, non? Ça marche? Il y a un peu des flèches quand même. Ah, attends. Ah, peut-être qu'il faut que j'utilise le caillou. Ok, il fallait que j'utilise le caillou, pas la flèche. Pas le. Là, ça sera très vite contre les Gypdos. Nous battrons bien facilement, mais désormais. Merci beaucoup pour ton aide, Link. Permets, je vais récupérer la flèche. Ah. Ça y est, elle aussi, elle fait un AVC, elle entend des voix. T'as entendu? Ce n'était pas le bruit de la brume des sables. D'où ça venait, à ton avis? Un message urgent. On va continuer une petite demi-heure et puis on va s'arrêter à midi et demi. Une troupe entière de Gypdos marche sur le bazar d'Asek. Bétera est déjà en route pour assurer la défense. Bétera? Très bien, je te remercie. Nous devons nous rendre au bazar d'Asek. Prendre... Ah, sans perdre une seconde, Link. Je suis désolé de t'entraîner ce combat, mais j'ai besoin de toi. T'en montrer au Gypdos le résultat de nos efforts. Il y avait un coffre. Il y a un coffre. Les fruits électriques. Ok, on y retourne du coup. Ils m'ont pas attendu, ils sont barrés sans moi. Attends, c'est bon. Philippe Gypdos, là je suis occupé. Eh. Voilà. Ah merde, c'est au nord le bazar à sec. On va se téléporter. On va juste faire ça, puis en cas se fait un ou deux sanctuaires. ...88 sanctuaires, tu m'es passé devant. 110 Korogu. Allez, nous y voilà. Ils sont vilains. C'est pas légitime de s'approcher. Ah, si ça continue comme ça. Coucou. Ils ont même pas lâché de loot. T'en as 100 sanctuaires, c'est bon ça. Désolé de vous avoir fait attendre, nous allons anéantir jusqu'au dernier. Allons-y, suivez-moi. Link, je compte sur toi. Alors. Je te suis.
Bim. En effet, ça fait mal. Ils sont là. Ok. Heureusement que j'ai des flèches, hein. Viscère de Judas. Les deux. En effet, ça fait mal, hein. Ok, ça sort de nid, ok. Ok, c'est vilain. Ok, on doit détruire le nid. Bim, trop d'un coup. Ok, on a gagné. Ouais. Pépouze. Ça va. Heureusement que tu étais là pour les tenir en respect jusqu'à notre arrivée. Les Gibdo craignent l'électricité, nous en sommes sûrs désormais. Nous en tirerons le meilleur parti. Des Claude François Gibdo. Ok. Impossible. Qu'est-ce que... Impossible. La cité Gerudo est en danger. Ah non, c'est bon. Provoquer ces tornades autour de la cité. Et pourquoi Zelda marchait-elle dans cette direction? Bethesda, nous rentrons immédiatement. Bethesda, va te faire acheter par Xbox. Link, Bethesda et moi partons devant. Nous t'attendrons à la cité. Ok. Bon, la cité sera pour le prochain live. Nous, on va se faire quelques sanctuaires avant de se quitter. J'aime pas laisser les sanctuaires derrière. On laisse pas un bébé dans un coin. En plus, on en a un à la cité, donc... Nombril des sables. Engin glissant. La bonnette. Ouais. Hey! Salut Benji, comment ça va? Merci pour le raid. Salut les copains. Salut les raiders, comment ça va? Ah mais si, je sais, ok, j'ai compris. J'ai compris. Salut les raiders. Qu'est-ce que tu faisais comme jeu, Benji? Comment tu vas? Hey, salut Natsu! Comment ça va?
Ah c'est Natsu. Je suis con moi, oui je crois que c'était Benji, j'ai cru que c'était Nebu. Mais que je suis... Que je suis sot. Que je suis sot. Ça va pas bien, ça dure moi. Ah, je m'en fous. Ah il faut que j'arrête, il faut clairement que j'arrête la drogue. Ouais. Surtout que je m'achète des lunettes. Ah ben oui, oh, il a l'air tellement beau ce jeu. Rentre, tu dois avoir un peu 200 heures de vie dessus, non? Tu me diras, sur Zelda, je suis... je dois pas être... loin. Il y a les pouces. On va essayer de faire un tour. Ouh, un petit air au glisseur. Et tu joues sur Switch directement avec un... Avec une Aki ou comment ça se passe? Voilà. Ah bah il y avait un coffre en plus. Je vais m'arrêter par là. Mais ouais, c'est 2D.5 là, c'est tellement beau. Tu avais fait le 1 ou pas? Ah, je peux pas faire au pro? Ok, c'est pas grave. Ça glisse vachement bien ces trucs là. Titre. Hop. Il faut vraiment que, par contre, il faut vraiment que je sois sur le sable pour que ça glisse. Tu penses que t'es loin de la fin ou Allez, et d'un sanctuaire. Ben on est pas loin de la fin du live là, on va se faire on vient de finir celui-là, on va en faire deuxième, on fera le troisième qui est la cité Gerudo, et puis on s'arrêtera là et on fera le temple de la foudre sur le prochain live. Ah ouais, ok, donc le 2 est vraiment un upgrade de tout sur le jeu. C'est bon à savoir. En plus maintenant il a quelques années, enfin il commence à baisser demain, je le ferai peut-être à l'occasion. C'est du tour par tour? Ouais, ok. Je voulais faire aussi, bah toi c'était quel mandrice qu'il avait fait là, c'était Live Alive, le remake de Live Alive. Lui que j'ai pas fait, hop, on va se le faire directement. Ouais, Live Live, ouais. Celui-là, je l'avais commencé sur Super NES à l'époque, et le remake avait l'air cool. Et franchement, j'ai regardé Calmandris le faire, et il a l'air chouette, il a l'air vraiment chouette à faire, donc bah, peut-être ton prochain RPG après... Octopus Traveler, là. Et ou alors moins ce que tu veux changer de genre entre deux histoire de faire un break. Faut que tu le reprennes, t'as la mauvaise fin. Ok. Alors les chemins itinérants. En tout cas, moi je pense que j'ai de quoi faire avec ce Zelda pendant un certain temps parce qu'il est tellement bien. J'ai pas tant poussé le Breath of the Wild. Peut-être pas autant que j'aurais dû. Mais celui-là, je suis bien parti pour le pousser un peu plus. Ok, c'est pour plus tard.
Si je fais ça, je vais me le prendre à la gueule. Ok, ça devrait aller. Non, faut vraiment que je le mette droit. Oh. Je vais me prendre à la tronche. C'est pas assez haut. Il faudrait que... Je dirais comme ça en fait. À moins qu'il faudrait que je récupère l'autre. Histoire de prolonger. Alors si je prends celui-là. Bon, j'ai pas besoin de repasser par là-bas. Hop, je fais ça. Ah, tu peux préparer une page 100% hub, ouais, carrément. Ça pourrait être cool. Et on est passé, on est passé, on n'est pas passé. Bon, c'est pas grave. Alors, attends. Ça pourrait être l'exemple, ça pourrait être la bonne préparation pour ta première 100%. Ta première page 100%. Alors, si je fais comme ça. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et... Passez d'heure. C'est pas joli joli, ça passe. Tu refais toute ta config. Mais c'est-à-dire tu refais toute ta config. Qu'est-ce qu'elle a ta config? Merde, ok, ça c'est pour aller à la fin. Donc il faudrait que je récupère celui-là pour aller de l'autre côté. Ah tu dis ok, ton PC. Tu t'achètes un nouveau PC tout ça? Aïe aïe aïe. Je suis désolé. Et c'est... Pff, c'est tellement chiant ça. Tellement relou. Ok, c'était juste pour avoir gagner du temps, pouvoir monter facile. Ok. Est-ce qu'il y avait un coffre? Une coffre. Des flèches, ok. Je devrais pouvoir monter sur celui-là. Ouais. Ça va te coûter. Ça va te coûter un bras malheureusement. Ok, ça va me faire un siège éjectable si je fais ça. Alors, est-ce qu'il faudrait que je fasse... Ça va t'attendre à la pierre? Ok. Tu penses que ça va... Ça coûte combien si c'est pas indiscret? Alors attends.
que j'analyse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je mets un coup. Je sais pas ce que je fais, hein. Pas assez d'impulsion pour 1 500 euros. Ok. Ah ouais. Oh, c'est pas mal, en effet. J'ai déjà une config qui a 2 ans et sur certains trucs, ça me... C'est pas ouf. Hein. Mais je l'ai pas acheté au bon moment, je l'ai acheté au début du Covid et c'est le moment où tout était quand même trop cher. Putain, comment je le passe ce sanctuaire là? Et, oh mais tu sais moi aussi j'ai même pas une RTX ou quoi. Parce que j'ai là, mais... C'est trop bas pour... C'est trop bas. Non. Tu veux jouer à Baldur... Ah, il me... Alors, écoute-moi, il me branche pas, mais alors pas du tout Baldur's Gate. À moins que si je le mets lui au bout... Ça pourrait faire levier? Ah, ça a bien marché, je pense. Ouais. Non, pas assez. Je pense qu'il y a de l'idée. Eh ben écoute, bon appétit. Et puis, on va pas tarder à arrêter, nous. Je vais finir ce sanctuaire-là, parce que moi aussi, il faut que j'aille une miam. Yes! Bon appétit en tout cas. À plus tard. Merci pour le raid encore. Puis bienvenue les copains, installez-vous. Bon, tant qu'on finisse, on va se faire celui-là. On va voir si l'autre est compliqué, le dernier. Et puis on s'arrêtera là, histoire d'être directement chez les Gerudo pour le prochain live. Qui sera vendredi prochain. De 22 h à minuit. Alors, téléportation. J'espère que ça va pas lancer directement le truc. Normalement, il faudrait venir leur parler. Merci Calandris, ça fait plaisir. C'est vraiment cool. C'est vraiment chouette tous.
Allez, encore un, on rattrape Calmandris. Lol. Alors, encore un sanctuaire. C'est pas un endroit que j'avais trop exploré, les Gerudes, dans les précédents, mais c'était chiant. La lumière enfouie. Ok. Ouais, il faut le. Ok. Souffle de sable. Bon, enfin, demain, d'ici vendredi, j'en aurais fait au moins 18 de plus. Oh, et oh. Se calme sur les sanctuaires là. On va arriver face à Ganon, mais alors, on va être tellement stuffé. Ça. Petite clé, ok. Ouais, mais t'es en vacances, tu triches. Il est où? Oh, ah, ah. Qu'est-ce que tu voulais Et qu'est-ce que tu voulais le robot là? Attends, on va. Je vais récupérer le ventilo quand même. Faut chauffe à cochère. Monsieur Porc. Hop. On va souffler ça. Profiter. Pour qu'il n'y ait pas un truc planqué. Non. Hé hé. Et il y a un truc caché par là. Hop là. Tu vas te calmer tout de suite. Ça sentait le piège, c'est obligé. Comment je monte là-haut? Si je le fais comme ça et que... Non. Amalgame bouclier, ok. Ah mais quand je monte moi. Ah mais je suis con. Je suis un peu de moi quand même. Je vais juste le pousser par terre et je vais faire. Voilà, on va faire comme ça. Non. C'est meilleur de. On va le coller. On va le coller au truc. On va s'emmerder. Hop là. Voilà. Ouais. Non, mais oui.
Mais tu sais, mon cerveau marche pas comme celui des autres. Hein. Enfin, je pense qu'il marche pas tout court, mais... Alors, on disait donc. Chope de la lumière. Attends, on va pouvoir. Et... On va le dégommer. Ok. Ah déjà, le bouclier turbine va surtout bientôt me débriser. Récupérer l'arc, ça peut toujours servir. Ouais. Ça sait faire de la lumière, toi? Miroir, ça, on est d'accord. Tu reflètes pas la lumière. Toi, tu bouges pas. Alors. Du vent. Bah ouais, mais regarde, je suis dessus là, je devrais au moins refléter, mais ça a pas l'air de choper, de capter du tout la lumière. Je pense que celui-là, ça sera pour le prochain live, qu'il faut vraiment que j'arrête. Ouais, je vais sur la plateforme du dessus. J'y suis. Tu vois, il capte pas la lumière. J'ai pas encore tout saisi ce qu'il fallait faire, mais... Y a un truc devant là. Je
Je pense qu'il y a encore du sable. Non, j'avais tout enlevé. Il va pas considérer que j'avais tout enlevé. Ah ouais, en effet. Et considérer que j'avais pas tout enlevé. Il y avait un grain de sable. C'est ça. C'est vraiment une... C'est vraiment de la précision, hein. C'est vraiment de l'aérospatial hein, chez Zelda. On est passé. Bon, voilà. On va s'arrêter là, on va se regarder. On va passer. Oh, allez, il est pas loin. Un peu vieux. Lueur de bienfaisance. Bon, prochain live, on se fait le temple. C'est con, hein, tu bloques comme ça, pour un tatané grain de sable. Donc, on est bien chez les Gerudo, on est pépère, on pourra commencer juste après. Donc, on va lancer une petite sauvegarde. Toujours la sauvegarde en plus. On passe là-dessus et on va s'arrêter là. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Il est 18h chez vous, c'est le moment de débuter la soirée. Qui c'est qui est en live là? Qu'est-ce qui vous branche d'aller chez Arline ou d'aller chez Naphtaline? Qu'est-ce qui vous plairait le plus de raider Naphtaline? Il n'y a que 4 personnes et... T'es en live? Pourquoi je te vois pas en live? T'es en live? Eh ben on va raider chez toi. Eh ben voilà. Eh ben c'est bien, c'est le moment de se mater pour l'history. Alors, on va lancer le live, je vous fais des gros bisous, moi de mon côté, et puis dans une minute, c'est le Ciné Club. En plus, pour l'History 2 est un très très bon film. J'aime beaucoup le 3, mais le 2 est très très cool. Et il faut... j'espère que tu vas passer aussi Crime Story. Allez, on va lancer le raid, et puis comme ça, dans une minute et quelques, ce sera Polystory. Tu devrais mettre la barre de progression du film, pour voir à quel moment du film on est quand tu arrives, parce que les mecs vont pas forcément arriver à l'heure. Au moins ils savent s'ils arrivent au début, à la fin du film. Mais non, c'est chouette. J'aime bien ton interface là, pour le... avec ton programme, ta case de programme. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Et puis, bon petit raid chez Calmandris. Je vais mettre la Switch en live, en veille. Je sais pas. Peut-être que tu dois pouvoir mettre ta barre de vidéo via Tuna. C'est comme tu fais pour la musique. Peut-être que tu dois pouvoir le faire. Parce que tu dois, j'imagine que c'est du VLC que tu lis, donc tu dois pouvoir faire comme ta barre de progression en musique. Bon, c'est juste une suggestion, je sais pas. En tout cas, amusez-vous bien. Bon petit raid. Et puis nous on se retrouve, on va voir si le raid a fonctionné, et puis en vrai on va se quitter. 10 petites secondes, je vous fais des bisous, amusez-vous bien, prenez soin de vous, bon courage pour lundi, puis bonne soirée.
Moi, quand j'ai envie de me reposer ou de décompresser, je fais de la varap ou alors de la marche, de la bicyclette. Ou bien je fais du karaté, du tai chi. J'améliore mes coups francs, je fais du skateboard, du snowboard, du windsurf, du baseball ou bien du football. Je fais du piano, de la peinture, je lis, j'écris, je compose. Je regarde des vidéos, des dessins animés ou des films d'action, ou tout simplement les infos. La drogue peut te tuer. Et quand il existe autant d'activités dans la vie, pourquoi est-ce que je me droguerais? Pourquoi est-ce que tu te droguerais?